Hello, hello et bienvenue pour un nouveau vlog. Alors, je vous retrouve ce matin, enfin ce midi, en mode un peu trempé parce qu'en fait, on revient du canoë. Cette fois-ci, on a emmené toute la famille faire du canoë avec nous et c'était super sympa. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous mettrai un lien quelque part ou sous la vidéo pour que vous puissiez aller voir notre première sortie canoë, à 4. Et là, on était du coup 8 dans 2 canoës. C'était rigolo. Franchement, c'est vraiment le truc à faire quand il fait beau et que vous avez des beaux coins comme ça. C'est très agréable. Et je ne perds pas plus de temps là maintenant parce qu'en fait, on était revenu à 2 voitures. Mais la deuxième voiture n'est pas encore arrivée parce que il y avait beaucoup de monde sur la route, donc ils nous ont un petit peu perdus. Donc en attendant qu'ils arrivent, je vais commencer à les préparer le barbecue après m'être changée, parce que là je suis encore un peu trempée quand même. Forcément, hein, j'y ai pas échappé avec le chéri, maintenant vous le connaissez. Compliqué de ne pas revenir du canoë trempée. Et donc je vous dis à tout à l'heure. Bon, finalement je me suis pas changée et on n'a pas encore commencé le barbecue. Mais c'est pas grave parce que j'ai un chéri qui assure. Donc lui, ça y est, il est déjà en train de nettoyer l'appareil. On fait poulet mariné aujourd'hui? Ouais. Ok, je viens voir ce que donne mon poulet mariné. Ça va? Ça va. Oula, t'as la coiffure canoë. Ouais. Ah oui, il y en a là aussi. Cool, j'ai faim. Alors en définitive aujourd'hui ça a été encore un après-midi assez tranquille étant donné qu'on avait fait le canoë ce matin et qu'on était un petit peu crevé. Et surtout qu'on a prévu de faire quelque chose demain de très sympathique aussi tous ensemble. Donc on en a vraiment profité pour se reposer un peu. Mais là du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller demander aux enfants s'ils veulent vous refaire un cap ou pas cap. Donc j'y vais tout de suite. Coucou les enfants. Coucou. Vous faites quoi là? Rien. Rien? Et un petit cap ou pas cap numéro 2 ça vous dit? Oui. Et bah allez hop on y va. Par contre, vous restez habillés parce que le premier, j'ai une petite surprise pour vous. Alors, je vous ai demandé de rester habillés parce que le premier cap ou pas cap, c'est sauter dans la piscine tout habillé. Est-ce que vous êtes cap ou ben pas oui. Cap? Cap? Eh ben allez, on vous regarde. Wouhou! Ouais! Bravo! Oh my god! Oh my god! Ça fait trop bizarre. Oh, tu vas être la poussée. Bon, on passe au second? Oui. Ou on va se mettre en maillot de bain d'abord? Maillot de bain. Allez, maillot de bain. Donc, deuxième cap ou pas cap, se mettre debout sur un matelas gonflable et tenir un petit peu dessus. Quand même. Oui. Oui, cap? Ouais. Ok, chacun cap. Son tour? Ouais. Bah, vous prenez le matelas qui est derrière vous? Tu tires le matelas un petit peu au milieu, que si jamais elle tombe dans la piscine, pas à côté. Attends, 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 on va te le stabiliser un peu quand même. Vas-y, lâche, lâche le matelas. Yeah. Debout. Allez, allez, Jen. Allez, Jen. Ah. Vas-y. Tu réessayeras après si tu veux. Allez, lâche. Wouhou. Tu veux réessayer? Oui. Bravo. Pas évident. Tu la remets un peu sur le côté parce que j'ai peur qu'elle aille de l'autre côté tellement elle est petite. Donc à faire avec surveillance, hein. Pas tout seul dans la piscine. Sous surveillance. Alors? Allez, viens. Doucement, va doucement. Oui. Tu veux réessayer? Voir si tu tiens encore plus longtemps? À mon avis, un pied devant, un pied derrière serait peut-être plus facile, non? Nous, on peut pas le faire, ça, on va casser les matelas. Ouais, on va les casser. Wouhou! Papa, il est passé!
Allez, bravo, franchement, vous avez bien réussi tous les deux. C'était pas mal du tout. On passe au troisième ? Oui ! Alors, puisque vous arrivez à peu près à vous tenir debout sur un matelas, est-ce que vous seriez cap ou pas cap de traverser la piscine si quelqu'un vous pousse debout sur matelas façon surf ? Quoi ? Tu surfes pour traverser la piscine sur le matelas. Je sais pas. Cap. Chacun son tour ? C'est moi qui commence. Alors, tu vas dessus ou tu pousses ton frère ? Je vais dessus. Ok, tu la pousses ? Mais doucement, hein ? I'm bored to death on the job. I'm sick of walking this dog. It's like I live in a fog. Tonight I want something new. I feel the need to get rude. I'm tired of watching the tube. Oh God, I need some fast relief. So hey. Oula, 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 ça tangue. Allez, à Josh. Mais la position était sympa. Bon, on recommence ou pas? Oui. Oui. Allez, deuxième tentative. Bon, ben, je crois qu'on va passer au cap ou pas cap suivant, non? Oui. Oui, oui. Est-ce que Jen peut monter sur les épaules de Josh, cap ou pas cap? Ben oui. Te mettre debout, hein? Tu montes sur ses épaules et tu te mets debout. On le tient dans les mains? Ouais. Ouais. Vas-y. 3, 2, 1. C'est pas facile. Deuxième essai. 3, 2, 1. Debout. Wouhou ! Bravo ! Bon, bah, je pense que c'est déjà pas mal pour les cap ou pas cap. Hein ? S'il faut, on refera encore une vidéo oui. Cap ou pas cap si on en veut plus. Ouais. Oui. Génial. Je crois qu'il en reste un, les enfants. Il en reste un. Ouais, je crois qu'il en reste un. Tiens ça, tiens ça, tiens ça, tiens ça. Je crois que c'est notre maman qui t'a dit. Ouais. Oui. Bravo papa. Va bien avec nous. Vous avez le droit de l'aide de papa. Ça fait quoi d'être jeté dans l'eau? C'est rigolo, elle est bonne. Il vient. Elle est bonne, franchement. Ah, regarde, il vient aussi. Non, il va sauter. Ouais. Voilà, tout ça bien dans la piscine. Ouais. Bon, bah sur ce, j'espère que ce petit vlog avec un deuxième cap ou pas cap vous aura plu. En attendant le prochain, on vous envoie plein de gros bisous. Et on vous dit à très très bientôt. Ciao.